Et les chocobos et cocos arrivants, merci Fono pour le raid. Ça a été ta session. On stream tout ça. Good job geek, comment ça va? On part sur Cult of the Lamb. Tout à l'heure, stream art. Un loup à dessiner. D'ailleurs, Elias, faut que tu m'envoies ton adresse en MP pour que je t'envoie le loup aussi. Et Disco. Faudra pas que tu oublies. Sinon, ça va être un peu compliqué de te la envoyer. Du coup, on en était où Est-ce qu'un berger sans son troupeau? Jour 66, 19 esclaves. Pardon. 9 sympathisants. Quatrième donjon débloqué, mais on va d'abord refaire le deuxième et troisième. Niveau nourriture, on était comment? Faut leur en mettre un petit peu. Je sais pas si je m'étais préparée pour aller à un donjon direct. Qui ont été ressuscités. On avait ressuscité Fonou. Je sais pas s'il était remort. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ah bon bah on a un mort. C'est qui est mort? Ah bah c'est Fonou. Fonou il vient de mourir. Mais non, vous avez ressuscité Fonou, bah voilà. C'est mort. Enterrer Fono une deuxième fois. T'inquiète pas, on te ressuscite pas à nouveau. Mais on avait un bug avec les tombes, du coup je sais plus qui était... J'espère pas avoir de doublon quoi. Fait la confession du jour et tout. Ah oui, il voulait que je fasse le rituel de pêche. En fait, j'avais refait des persos pour certaines personnes. Je pouvais pas les ressusciter quand ils étaient dans la tombe. Mais ça devait être un bug parce qu'après on pouvait. Donc du coup, on verra si je me gourre pas, mais peut-être que certaines personnes vont avoir deux persos sans le vouloir. Ah, c'est l'aide qui nous avait donné cette mission. Cerber est vieux. Sont toutes prises, mais ils dorment dehors alors qu'il y a des temps, il y a plein de trucs. Qui c'est qui travaille de nuit? Nata, le collier de nuit? Non, pourtant il n'y a pas le collier de nuit. Ouais, mais ce qui est... le problème, c'est que je vais m'embrouiller avec ça parce que j'ai déjà refait des persos pensant que c'était pas. Je savais pas que c'était un bug. Du coup, bah, y a un peu un bordel avec les bijoux. Kena. Pour quel jeu? Ah, par rapport au jeu d'avant? J'ai pas eu le
le ressenti en jouant. Pour avoir fait Kena. Invoquer un démon. En jouant, ça va pas donner le ressenti. Tout Kena est trop dur. Je peux me reprocher la difficulté à Kena. Alors qu'on aille pêcher. Bah peut-être. Ah ouais, peut-être que je pourrais faire à la limite. C'est ceux qu'on a doublons, mais alors deuxième. Le premier, parce qu'ils aimaient pas le premier. Je les réduis en viande. C'est pas bête ça. C'est une idée de brique ça. Je les coupe en petits morceaux. Coucou Fuligi. Des raids. Il me ramène des os. Donc alors. Graines de betterave, c'est nouveau ça? Même moi ça, je connais pas. On peut avoir un nouveau truc. Ça fait quoi ça, pose de soins 2? Ouais. Ça pourrait être pas mal d'avoir 3 missionnaires en même temps là. Mais ça va, il y a quand même pas mal de place sur le terrain au final. Dans la foi, le poste de mission. Ah ouais. Ouh, par contre, ça coûte cher. Ah ouais. Ah bah, ton nom, prénom, adresse pour que tu envoies le dessin quand il sera fait. Hacher menu. Bon, il faut qu'on aille. Pêcher du poisson. Et on a fait le truc de pêche pour le rituel de pêche, pour faire plaisir à l'Eb là. Et mes chouchous, c'est les meilleurs PNJ du jeu. C'est l'heure de pêcher. Au moins, on va avoir plein de trucs à manger, quoi. Pardon. Bon, il y en a qui ont craqué entre temps. Mamie, go faire ta partie là. Je sais pas si elle m'entend. Ouais, elle voulait pas se spoil. Mais franchement, je suis contente qu'ils aient fait le million de ventes. Mais bon, pour moi, c'était obligé qu'ils fassent le million de ventes. Tellement génial. Je peux pas le prendre.
pas pourquoi. C'est peut-être déjà, c'est peut-être un plan que j'ai déjà. Ah, tu l'as pris, ça y est. T'as craqué. Et du coup, c'est chiant, ça me fait quitter la pêche. Refaire à chaque fois le truc manuellement. En fait, je sais pas si vous avez vu, mais Sandman, ils ont rajouté un épisode, hein. J'ai mis sur Discord. Il y a un épisode qui a été rajouté à la saison. Je sais pas si ça veut dire qu'il y a encore des épisodes qui sont pas sortis de la saison. Je crois que tout était sorti. Juste, eux, ils rajoutent par patienter les gens entre les saisons. Les nourrir là. Chocobo. Oui. Voilà, on va avoir du poisson pour longtemps. Je crois. C'est quand même des goûts, froid et chocolat. On mange beaucoup, hein. On va pouvoir refaire la prière du jour et puis peut-être une ressuscitation. Faut nous quoi. Il me raide et après il meurt. C'est un bonhomme qui meurt quoi. Ouais, il est mort de vieillesse hein. C'est beau. Dernier et puis on rentre. Est devenu vieux. Il est vieux, Leb. Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon.
Exa, non? Il y avait peut-être deux personnes qui avaient le même. Je crois que quelqu'un d'autre avait le même. Il est rentré là. C'est pas Elios? Ah non, c'est Zabuza. Elios, ce serait les cornes, mais. Je crois. Darkness. Va me ramener des os. Alors, qui c'est qu'on va écouter se confesser aujourd'hui? Hinata, confesse-toi. Mission. Garde de la foi. Ça a rien, elle a pas le niveau en fait. C'est pour ça que j'ai refusé. Parce qu'en fait, pour être garde de la foi, faut avoir un certain niveau. On avait pas le choix de le mettre à Darkness. Donc c'était le seul qui avait le niveau pour. Du coup, ça sert à rien que je lui dise oui, parce que ça va être... Ok, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Faut faire le sermon... Récupérer la foi. Ici en fait je fais les champignons et j'avais rajouté quelques citrouilles mais champignons et et si c'est tout ce qui est nourriture, non. Alors, plat de viande supérieure, plat de poisson supérieur, plat de légumes ordinaires, plat de poisson, plat de viande. Régalez-vous là. Récupérer, parce que là, ça nettoie les cacas, ok, mais ça me les redonne pas, donc si j'ai besoin de fertilité, c'est un peu chiant. De son. Alors, c'est l'heure de la prière. Ah, t'as pu mettre un niveau 1 toi? Ah bah moi la dernière fois ça avait pas marché. Mais c'est peut-être des bugs. Je sais qu'il y a quelques petits bugs, hein, il faut beaucoup de patch. Mais le problème c'est que c'est le genre de bug que tu peux pas savoir que ça en est un. Sauf si tu vas lire tous les bugs du jeu, mais je vais pas faire ça parce que je peux me spoil en faisant ça. De meilleures armes. Vertu des dévots. On va le finir aujourd'hui, ça. Enfin, je pense. J'aimerais bien. Rituel.
Donc on ressuscite quelqu'un. Alors lui, il faut le ressusciter. Bon, en fait, faudrait que je dégage ceux que je veux mettre en viande. Lui, c'était un test. Tierti. Mais Tierti, il faudrait qu'on le découpe en petits morceaux de viande. Eux, ils servent de déco. J'ai refait des nouveaux persos, je crois, pour Elios et Mushi. Il me semble. Parce que justement, c'était buggé et du coup, on a dit, bon, on les mettra en déco. Et lui, par exemple, comme c'était un test, on va le mettre... Je vais le ressusciter, mais pour en faire de la viande. Ah, faut refaire le garde-foie une fois qu'il meurt. Je peux pas... Ah, mais j'ai pas assez d'eau. Je sais pas, du coup, s'il y a encore un garde-foie, Darkness. Après, l'avantage de ressusciter, c'est qu'ils sont ressuscités avec leur niveau. T'as quand même un avantage. C'est qui est en train de mourir? Cerber est mort de vie. Ils sont en train de regarder le cadavre. Hein. Ils me font peur des fois. Faites peur les gars. Ah ok. Je croyais que ça gardait... Nous avons réussi à mettre de côté quelques pièces et nous avons rien les ouvrir en signe de gratitude. Ah il veut un rituel de l'avarice. Des... Oh. C'est malade, mince. C'est pas le seul. Et je sais pas comment ils sont plus souvent malades alors que... Je leur donne de la nourriture de meilleure qualité. Peut-être qu'il est malade. Quagon. Ah mince, j'ai aussi une cabane de bois à refaire. Quagon. Voilà. Va te reposer. Il y a des trucs que j'ai pas appris parce que ça m'intéressait pas. Oh, je peux faire un donjon, un nain, c'est bon, j'ai plus un noir. Moi je dis je vais y aller début de journée, mais à chaque fois il me...
J'aspire mon âme. Alors du coup ça c'était le bois sombre, on l'avait déjà refait. En deuxième c'était celui-là je crois. Il faut qu'on refasse Anura. Oh, j'ai pu séance Céleste plus et cadeau des enfers plus. Plus féroce. Nous avons une hache impitoyable. Et nous avons le fluidicor. Aïe. Ah, il y a une bombe. Ah vache, ils étaient tous collés pour éviter les trucs. Champignons. C'est vrai que tu sens la difficulté augmenter une fois que t'as fini le donjon une fois. Ouah, c'est joli. Ça. On peut même plus être tranquille. Là qui débarque avec Gaston. Alors, on n'a pas besoin de cette ligne. Là, il y a un aléatoire. Alors, l'aléatoire, ça peut être bien et pas bien. On va jouer la sécurité. Des fois, faut jouer la sécurité. Aléatoire, on peut avoir un malus pour le boss, ça va être chiant. Anna, viens là. Un petit chat. T'es câlin. Ah, les cœurs bleus, c'est grâce à mes cartes. J'ai 20% de chance quand je tue un ennemi de récupérer un cœur bleu. Ça y est, bon, c'est sous ce qu'il y a écrit sur le stream, mais. Vous voyez du rouge et du bleu sous-type.
Et c'est vrai que ça va être pas mal ça. De base la carte c'est 10% de chance, mais comme c'était une plus, et ben c'est passé à 20. Donc ça c'est cool. Ah ouais, par contre, araignée qui sort là. Coffre. Les araignées qui sortent du coffre, ça, avec ça, ça va après. C'est peut-être elles sont un peu petites, donc ça va peut-être. Ça dépend le degré de ta phobie, j'imagine. Ah mais vraiment ce jeu... En fait ce jeu tu veux le recommander à tout le monde parce que c'est vraiment... Il y a tellement de choses différentes dans le jeu à faire que... Ça peut plaire à tout le monde quoi. Quelqu'un qui veut passer plus de temps à faire du donjon ou faire de sa ville, il peut quoi. Et ça c'est vraiment génial. Les petites noires, t'as un peu de mal, ouais. C'est vrai que celui-là... Et puis la direction artistique, elle est mignonne sans être trop mignonne pour ceux qui aiment pas trop le mignon. C'est vrai qu'ils ont... Ils ont vraiment géré là-dessus. C'est pas évident de faire un jeu comme ça qui peut plaire à tout le monde. Elios n'est plus malade. Ah bah voilà. Bah en fait c'est parce que t'as des notifs qui servent un peu à rien, mais c'est vrai qu'elles sont très rapides. Ouais, je crois que t'as pas trop le temps de les lire. Enfin, surtout quand t'es en donjon et en plein combat. Âme déchue. Un marteau. Ah mais ça c'est un sort. Et quoi? Pas mal. Possibilité. Marteau. Pourquoi il brille des fois? Il y a des petites lumières de brillance. Mais non, je suis pas très intéressée. Ah, j'ai plus de... J'ai voulu faire mon sort, mais j'avais plus de ferveur. Si vous avez des questions, les gens n'hésitez pas, on a quand même un peu avancé sur le jeu. Même si on n'a pas encore tout vu. J'ai un petit, une petite paillette, mais je sais pas si c'est lié à quoi. Bon, il y a le boss.
C'est moins bat... Attends. Ah merde. Aïe. Je voulais esquiver mais j'ai pas eu le temps. La nature des graines de citrouille. Et voilà, en fait, je fais ça pour ça. J'ai une quête de ramener ces trucs là. Quête secondaire, donc. Bah, Mumi, elle l'a pas encore commencé. Après, je sais pas, y'a qui dans ma liste d'amis qui l'a. Darkness a mis à sa liste de souhaits, mais je sais pas s'il y en a qui. Ouais, je sais pas, il est peut-être sur plusieurs supports. Ah, par contre, le donjon plus de chaque, on le fera vraiment à la fin. Je sais que Mimi va se venger. J'ai fait manger du caca à son perso. Elle m'a dit qu'elle se vengerait. Ouais, ils sont tous super. Bah, c'est vrai que sur. Même sur Switch en portatif, il doit être pas mal. Il y a des jeux, c'est un peu chiant. J'aime pas trop en portatif parce que tu vois pas. Tu vois pas trop les détails, mais celui-là, je pense que ça doit le faire. Shalamba, Kaya. Oh non! Darkness va mourir. Je crois que j'ai plus assez de. J'ai plus de place. Faut qu'on ressuscite quelqu'un. Alors, qui va se confesser? Red, en fait, c'est toi. Bah, c'est pas elle qui a demandé ça, c'est Mistrel qui voulait faire une face à Mumi. Par contre, Elias, lui, il a demandé lui-même, il voulait goûter. Mais Mumi, deux fois. Hein. Et encore, la troisième fois, il voulait enfermer Mumi en prison. J'ai refusé, par contre. Je sais pas, c'est bon, laisse-la tranquille. Alors, sermon. Mais c'est vrai qu'il y a des possibilités assez marrantes. Comme le fait de se marier et d'avoir plusieurs mariés. Bon, moi, c'est Alex, mon mari, mais. Bah, peut-être qu'elle a un peu de mal, la console, parce qu'il est peut-être un peu trop gourmand. Alors, on va vous faire un lavage de cerveau déjà. Ah, j'ai pas assez pour faire les deux. Ils sont de faire celui-là, donc. Allez, à moi vos sous.
Ouais, on va pas pouvoir ressusciter, il va falloir creuser une nouvelle tombe. Faudrait un garde de la foi. Bon, faut que je choisisse une nouvelle tombe. Et où le cadavre? J'ai perdu le cadavre, ça commence bien. Ah non, il est là. Mimi qui va monter. Est-ce qu'on peut t'envoyer en mission? Ouais. Tu... Oh. Là, ça, c'est le nouveau Helios. Et que lui, il a choisi. Donc, en fait, il faudrait que celui qui est là, on le bouffe. Enfin, on le coupe en petits morceaux. Il va aller nous chercher de la viande. Le garde de la foi, c'est pas mal parce qu'au début, bon, ça parler tous les jours au perso, ça va, mais quand tu commences à avoir énormément de monde, c'est compliqué, hein. Ce que je voulais faire. Ah mais je crois que ça va les ramener. Et maintenant ça va annuler toutes les missions que j'ai envoyées. Ah ouais, franchement ils ont pensé à tout. Enfin... Ah mais c'est celui-là qu'on par... que je disais ce matin que, des... que les gens comparaient à Animal Crossing. Au niveau type de jeu, ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est des petits animaux comme disait mamie. Celui-là j'avais rigolé dans les commentaires Steam. En mode, on n'a pas joué au même Animal Crossing, je crois. Mmh.
C'est vrai que des fois c'est assez drôle. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai récupéré. Retourner faire un donjon. Oh, il pleure quoi. Donc le troisième à refaire, ça va être là-bas. Encombre. Poison. Ah, l'âme des croisades. Fidèle compagnon des guerriers vagabonds. Rafale divine. C'est vrai que celui-là il a des petits pics. Ça pique, hein. Ce donjon, il va être dur, hein. J'ai pas tiré les bonnes cartes, alors j'ai peur que ça passe. Oh putain. Oh, j'ai eu de la chance là, j'ai vraiment eu un coup de bol. Hein. Michel attend la vieillesse, non mais arrêtez de mourir. Ah merde! Il y a des pierres là! Ces pierres là, on les trouve que sur cette carte alors. Les farm en même temps, tant qu'à faire. C'est dangereux. Bien dangereux.
Le moins dangereux, je dirais que c'est au milieu, mais un adepte à choper. Un petit renard. Un petit panda roux. Il parle russe. On a un adepte russe. Je sais pas si c'est une erreur de trad ou si c'est voulu. Heureusement que je me souviens des phrases. Tu te calmes. T'as déjà eu du russe moins que ça. Aïe les crabes. C'est toujours chez moi les trucs comme ça. Et allez, lâchez-moi les deux là. Ah la vache. Oh, c'est pas vraiment un bug, c'est une erreur de trad. Mais... éviter un truc, j'en chope un autre. Je vais mourir. Cet endroit est trop dangereux et j'ai pas les bonnes armes. Mais... j'ai plus qu'un cœur. Voilà. Dans le partenariat, hélas. Possible, je suis bloqué en nombre d'émotes. Qui est mort de vieillesse. En fait, j'arrive pas à ressusciter plus vite que qu'il meurt. Il meurt trop vite. Faut manger des trucs qui les font garder en vie là. Aïe! Là, je suis morte. Ah, ça va, il y a des cœurs là. En fait, j'ai rien dit. Et de la chance. Heureusement qu'ils m'ont donné de la vie. Un gant occulte. On fasse plus de dégâts parce que sinon on va pas arriver à battre le. Ah ouais, non, mais c'est ça en fait, c'est que. Il meurt plus vite que tu. Donc je vais être... En fait, je voulais ne pas avoir vraiment de cimetière, mais j'étais obligée d'avoir un cimetière. Mais déjà, il faudrait que j'arrive à dégager les doublons là que j'ai à cause que j'ai eu à cause des bugs. Les transformer en petits morceaux de viande et puis au moins. Hein.
tu veux que je fasse le boss avec si peu de vie, quoi. Et des armes aussi. Oui. Aïe, mais j'essaie de m'en aller, mais il me colle à la peau. J'étais coincé. Je pouvais plus bouger. Mais t'as été vite quand même avec ça, ou t'as... Ah ou t'as peut-être joué tout ton après-midi, t'as fait une grosse farm. Une grosse session de farm comme tu fais des fois. T'as fait une grosse grosse session. Red Wolf a atteint la vieillesse. Ah bah bravo. J'ai de la chance, j'ai réussi à... Ah, dis-moi qu'il y a des trucs bien. Une hache. Infidèle. Oh lolo, rue, je sais plus. Qu'à espérer récupérer pas mal de vie là-bas, mais bon, des fois je gagne des ressources, même si je meurs je garderai pas tout, mais une bonne. Ah, ah mais putain, mais ils lancent tous des boules. Oh là là. Les archers ils font chier. Oh là 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 là. Ah t'as recommencé, t'as pas fini. Ok, je croyais que t'allais tout oublier. Bon après t'as plein de choses que tu peux refaire en boucle à la fin avec plus de difficultés, donc t'as assez bien pensé quoi. Là-dessus, c'est pas mal de penser à des petites choses qui permettent aux gens de continuer à jouer plus longtemps. Tu fais une fin à ton jeu et en même temps, t'as quand même des choses. Merde. Pas passer loin celui-là. Ouais, c'est ça, tu profites bien du jeu. Coucou les... La grâce mat. Et Relios. Alors, désolé de te dire ça, mais ton bonhomme est mort il y a quelques instants de vieillesse. Ça peut te rassurer. Staro. Ah,
aïe. Putain, mais comment tu vas éviter ça? Je vais mourir pour la fin du boss parce qu'il y a trop de... Donc je tue le petit là, mais avant de tuer les deux gros. Qu'un demi-cœur. Oh là 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 là. C'est juste ça. Comme ça t'es bloqué, tu t'es bloqué le dos? Oh la gueule de mon... mon mouton... de mon agneau... Je suis au bout de ma vie là. Mais moi je comprends pas, tu vois, elle a 94% de chance de réussir sa mission. Et j'arrive pas à comprendre comment certains meurent alors qu'ils ont autant de chances de réussir leur mission. Allez Wally Boy, viens. Viens me dire tout ça. Viens expier tes péchés. Trop de cadavres. Mais non, t'es pas mort, Elios. C'est Mamie qui est morte. Ouais, c'est un peu trop aléatoire alors qu'il y a un pourcentage. C'est un peu dommage parce que les missions, t'en as vraiment besoin et... Limite, chiant de devoir les envoyer en mission, quoi. Moi, ouais, j'avoue, comment il a sorti ça, on aurait dit qu'il était malade, mais non.
Succès, arme du troupeau. J'ai débloqué toutes les armes du jeu. J'ai trop hâte. Il me tisse trop. Alors, on a dit qu'on allait ressusciter l'ancien Helios, mais tu seras découpé en petits morceaux. Juste que j'y pense que celui-là il sera découpé en petits morceaux. Et l'idée de que ça, hein, pour régler mon souci. Parce que tu sais, on avait refait un perso parce que les trucs étaient buggés, mais au final ça s'est débuggé. Donc du coup, en fait, t'as deux persos, vous êtes quelques-uns à avoir deux persos. C'est pas prévu à la base. Qu'est-ce qu'il y a, Wally Boy? Non. J'ai pas de quoi renommer les gens. Hein? Un seul Leb. Je crois que c'est Chichi, Helios, peut-être Lolo qui ont un double perso à cause du bug, je sais. Leb repose désormais en paix. On est unique, c'est juste qu'on a eu des bugs. On est malade. Alors, niveau nourriture, ouille. Yeah, Alex. Alex. Viens, on va se bécoter. Oh. Comme cadeau. On a vu sur Discord. Il va nous dire tous les jours. Récupérer la foi tant qu'il dorme. Ah oui, il faut que j'améliore la pose de mission. Ah, il nous faut un nouveau abri bois, un nouveau abri pierre. Et il nous faut un poste de mission 3. C'est cool! C'est pas si cool tout ça?
Il faudrait que je bouge. Pot de fleurs. Oh, je vais mettre d'autres décos vers le bas. Je vais supprimer les bottes de foin et mettre au-dessus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre à la place en décoration? D'abord, regardons le DLC. Il faudra un petit truc qui aille avec ça devant. Camilla, ça. Ouais, plus de tentes. Ça en fait tout ça, hein, des choses à construire là. Fighters, viens te confesser. Et quel fromage? Fromage? Ah, repose-toi bien, Red. Par contre, ah si, je peux aller envoyer en mission suicide. Je peux envoyer en mission suicide ceux que je veux qu'ils meurent. Genre l'ancien Helios et Tartir, je peux les envoyer en mission suicide. Ou pareil que Brick ça. Ou pareil. Un nouveau garde de la foi. Oh. Ah si, j'ai déjà goûté. Le roquefort, j'aime que en sauce, genre tu fais chauffer pour mettre sur le steak. C'est tout. Fighter, c'est malade. Panier. Regardez au bas. Tu veux des champignons d'Anora? Tu me renvoies à Anora? Ah, viens là. Collier toi.
qu'il y a de plus. Bah déjà, je suis pas du tout avant que ce soit fumé ou pas, j'aime pas trop. Du coup, faut qu'on retourne à Anora. Et je vais envoyer en mission suicide certains. Ah, il peut pas encore. Par contre, Elios, il peut. Tu sais que t'as plus de chances de mourir. Mais en vrai, t'as pas beaucoup de chances de mourir, mais bon. On va t'envoyer chercher des os. Ah, j'aime que le poisson blanc et pas fumé. Tu vas me chercher de la viande. Voilà. Allez, c'est parti pour eux. Niveau construction, on est comment ça s'est fait? On est en train de faire. Petit à petit, ça commence à. Oh! Toi, tu vas aller te soigner. Tout le monde est en train de tomber malade là. Ils se refilent tous les trucs là. De soins de. Mais tout le monde est vraiment malade. Pour Alex, j'ai même pas assez pour soigner Alex. J'ai de la ferme parce que là, il n'y a plus personne, du coup ils sont tous malades. Et rappel. Ah. Pour guérir Alex. Oh. Ah lui, je veux qu'il meure. Après, je pourrais essayer de le faire mourir comme ça, mais le problème, c'est qu'il va contaminer tout. J'avais la folie de Gilios, coco mexicon. Et plus. Ça c'est bon, il y a HNX qui est en train de me faire une offrande. Parfait, il faut que je passe à manger. Si, mais il faut être sûr que ce soit lui qui le chope. Après, je peux le. Ah non, sacrifier, c'est autre chose. Ah mais en parlant le jeu Leb. Et lui m'a tué. Sacré.
J'ai peur que ce soit quelqu'un d'autre qui le mange, tu vois. On aille à retourne à Numera parce que quelqu'un veut des champignons. Ah bravo quoi. Et qui c'est qui a encore fait popo à côté? Il faut qu'on rende les quêtes aussi, il faut qu'on rende la quête secondaire. C'était où? C'était le pont du contrebandier. Ouais, ça c'est un peu compliqué, ouais. Pour ça je préfère, bon, on va laisser mourir la vieillesse. Alors, celui qui nous demande des yeux de témoin. Sacré Plimbo. Come on, D. Dowdy. Truc de mon dernier, il faut d'abord finir le donjon qu'on n'a pas encore commencé. Donc. Et on va pouvoir avoir une nouvelle tenue. Mais bon, nous on aime bien la blanche. Mais il faut toutes les débloquer pour tous les succès. Oh, pauvre Plimblo. Babou, shbabou. Côte tête sur patte. On est pas mal. Après, je sais pas s'il y en a... Il y a des... que j'ai loupé qui était caché d'apparence. Pourquoi ils sont cachés dans le... dans les décors? Ah c'est trop chou. Sont malades, nanana. J'ai ça aussi. Ça va être beau les chocobos. Ah vraiment avec le DLC, ce sol là du DLC. C'est génial. Regardez-moi ça. À la fin,
On mettra encore en bas, mais c'est ce que j'ai pas fini en bas. J'ai réfléchi à ce que j'allais mettre. Ça va avoir de la gueule. Pas par la chenille. Mais bon, on va aller sur la suite. On va aller faire la mission parce que sinon... Alors on doit trouver des champignons hallucinogènes dans le donjon Anora. Anora c'est lequel? On a une dague divine. On a un souvenir du tour. Il nous faut des champignons. Il y en a. Sors de là. Ouh, collier d'ossements. Permet à un adepte de vivre deux fois plus longtemps. Ouah. Mais c'est trop bien. Où je trouve ces colliers? Pardon. Je crois que c'est que dans ce donjon. On les trouver. C'est vrai que les colliers de la lune étaient génial, mais ça c'est encore mieux que le collier de la lune. Coucou Célène. Qu'il nous faut sur tous nos chocobos. On a trouvé un problème, il y a une solution à notre problème. C'est cool. T'as vu Brixa ou pas? C'est ça qu'il faut trouver. Si on trouve ça, on va pas passer notre temps à ressusciter quoi. Ça, faut en trouver beaucoup. Bah ouais. Bon, bien sûr, le problème, je lui donne à Alex, hein, mais on voulait pas. Oh là là, qu'est-ce que. Ah, ouais. Mmh.
Ah. Aiguë le cœur derrière. Triste. Achetez le cœur 3. Oh, il y a des cartes cachées dans les donjons. Oh bah punaise, on a le temps de les trouver ceux-là. On manque encore. Triste son histoire. T'as que 3 champignons. Mon chichi est mort. Hein. Yeah, yes. Beaucoup de champignons. Hein. Des fois j'obtiens des sports, j'obtiens pas des champignons. Je sais pas si on va réussir sa mission. Je crois pas. De la vie c'est foutu. J'ai bien voulu qu'il y ait plein de champignons, mais il n'y a pas eu plein de champignons. Ouais, ça va être l'hécatombe, ouais. Je ramène des osmos, je vais peut-être pouvoir en ressusciter, mais... Aïe aïe aïe. Oh.
Shalamba, Gaia. Shalamba, ga. Ah, yes, c'est survécu. Ah, mais je sais, comme il est fatigué, si je le renvoie direct, il va peut-être crever. Ouais, c'est ça. N'arrête pas, le nouveau Elios, j'en prends soin. Regarde, il est là. Konig. Ah ouais, encore quelqu'un qui meurt. Abuse ça. Maladie. Allez, le nouveau Elios monte de nouveau. Il y a eu un cadavre, il a monté de niveau. Faut m'embêter là, j'ai plus de place. Bon, normalement, Alex il est là. On a un nouveau collier. Ah, mais tu peux pas. Tu dois attendre qu'il meure pour leur enlever le collier pour pouvoir le... après leur donner. Ça, c'est un peu mal foutu. Tu peux pas changer. Tu dois attendre qu'il meure. C'est un peu dommage. Bon appétit, Luzi. Bon, ça va la gueule, hein. On refasse un truc de pierre. Nouvelle tente. Tombe. Là. Il va faire jour et on va ressusciter quelqu'un. Bah là tu vois il est mort et je peux prendre butin. Je sais pas si tu peux prendre le butin par contre avant de... Pas trop. Qui va aller se confesser? Ouais bon. Ouais bah des fois comme tu te dépêches tu vois pas trop les trucs basiques à créer en gros, t'inquiète. Mais par contre quand tu les pilles ça fait du ça te fait baisser ta foi hein, par contre je préfère te prévenir. Donc vaut mieux l'avoir verrouillé avant, t'as le truc des champignons. Ils aiment pas trop quand tu pilles les cadavres, bon c'est un peu normal tu me dis. On va pouvoir prendre le dernier.
On aura tout débloqué là pour les donjons. Normalement. J'ai pas eu de succès alors il faudra que je revérifie s'il n'y en a pas un en bas que j'ai loupé. On va débloquer une nouvelle police. Alex, c'est celui-là qui prend. Octroie un cœur corrompu à chaque carte de tarot tirée, mais vous perdez 100% de vos nouveaux objets si vous mourrez. En vrai, c'est génial, mais... Par contre, remets-nous notre police. Merci. Rituel. Lavage de cerveau. C'est parti, le retour. Le lavage de cerveau, c'est génial. Mais je trouve ça pas cher, hein. Je trouve ça pas cher. Bah, faut savoir que les cœurs corrompus, Brissa, c'est pas n'importe quel cœur. C'est que quand tu te prends un dégât, ça fait 2 points de dégâts à tous les ennemis de la pièce. Donc, si tu tires pas mal de tarot, tu vois, ça te protège quand même pas mal. Donc, il y a moins de risques que tu meurs avec des cœurs corrompus. Après, oui, faut quand même savoir, savoir gérer, quoi. Après, tu peux mettre ça pour les donjons plus faciles, tu vois. Je sais plus si Mushishi... Si, il en a 2. Ça, c'est lui qui l'avait créé, je crois. Ouais, ça, c'était le sien. Donc, il faudrait faire mourir... Celui-là qui était son ancien, que c'était vous qui avez fait. On a Mushishi et Elios à faire mourir. T'en souvenir aussi. Là, Mushishi, tu vas mourir. Il y a lui aussi qu'il faut faire crever. Hein. En même temps, faut qu'il nous ramène. Ah. Oh, voyez le bon côté des choses. Au moins, vous avez pu choisir votre perso et le refaire avec des trucs où il y avait plus de choix. C'est ça le bon côté. Après si on joue assez longtemps, je pourrais faire ça aussi pour une autre personne, petit à petit. Refaire vos persos quand on aura débloqué des choses. Bon, ça sera pour ceux qui sont présents par contre. Hein. Si je refais pour des gens qui sont pas là, ça sert à rien. Ça me paraît pas mal comme ça. Alors il nous reste un œil témoin à donner à... Mais pour ça faut d'abord faire l'autre donjon. Bah sacrifice ça fait... ça change pas mon problème. Se mettre dans les res. La preuve, celui qui a pas de pseudo, que c'était un test justement. Moi je veux les découper en morceaux pour plus les avoir dans les res. Enfin j'espère que découper en morceaux tu les auras plus là. Parce qu'en fait, c'est que je voudrais qu'il dégage totalement parce qu'après, moi, je sais plus c'est lequel le bon et je vais me retrouver avec des doublons. C'est quoi ce bruit? Est-ce que je peux le faire? Eh. Ah, ça ferait chier. Ah, ça c'est con par contre. Si tu t'es fail sur un perso, tu peux pas le dégager. Tu peux même pas le virer de. Dommage. Et on peut pas.
Du coup, ça veut dire que tout ce que je suis en train de faire, je le fais pour rien parce que... Et que je ressuscite pas ce que je veux garder. Bientôt mon ennemi. Parfait. Il me reste plus que les décos là en bas, mais je sais pas quoi mettre. Ça va. Un truc du DLC peut-être. Un vase de fleurs. Je pourrais faire des délimitations de zones avec les sols. Ça va être génial. Le coin chambre avec le sol du DLC est vraiment beau. Note comme ça. Il y en a un qui ressemble à... de sol quand même, sol en or. Sol pavé, ça pourrait être pas mal pour cette zone là. Des décos de pierre en bas. Ouais, ça c'est cool, ouais, parce que c'est vrai que quand tu veux les refaire, c'est un peu chaud de repayer à chaque fois. Pierre antique, ça pourrait être sympa. Bougeoir en pierre aussi. Un pignon en pierre.
Peut-être mettre un peu de lumière, donc plutôt le bouge pas. Ouais, je fais un peu de déco parce que bon, c'est pas la fin du jeu qu'il faut faire la déco quand même. Ça va être super beau. Non, ne mourrez pas! Red est mort! Ça fait beau, hein. Après, je pourrais encore changer si je veux. C'est ça qui est génial. Je peux détruire, changer. Bah, en fait, je leur ai mis la croyance de la vie après la mort. Tu te réincarnes, de la réincarnation après la mort. En fait, je les ressuscite, mais... Et du coup, quand ils voient quelqu'un mourir, ils sont pas tristes. Ils disent que c'est le début d'une autre vie, alors... Ouais, c'est pour ça. Y'a rien d'anormal, c'est juste... leur croyance. Pas mal. On a fait la zone ici. Après, c'est juste, tu vois, je voudrais faire des chemins. En fait, je voudrais faire une sorte de croix. Bon, j'avais fait un chemin fleuri, mais c'est pas grave si c'est pas le même. Ou alors, avec la mosaïque. Mais tu sais, une sorte de chemin. Mais bon, ici, on peut pas... Là où c'est... Je crois qu'on peut pas changer cette couleur-là. Donc peut-être que je vais quand même continuer celle-là jusqu'en bas pour que ça fasse une croix. Je vais regarder, mais je crois qu'on peut pas. Alors, tu vois, ouais, ici on peut pas, tu vois. Enfin, je crois. Ouais. Non, ça me sélectionne en haut, en bas. Donc, du coup, je me dis que comme ça a l'air d'être le sol sale, je pourrais continuer. Je sais pas. Ça fasse une croix, un truc comme ça. Si c'est pas attaché. Ça ferait comme un chemin. Est-ce que je l'agrandis? Est-ce que j'ai élargi? Je sais pas. Parce que je laisse quand même de... Quitte par la suite à faire des murets. Je sais pas. Ouais, je veux pas trop fermer parce que sinon c'est moi qui je bloque. Ça fait joli comme ça, on va laisser comme ça pour l'instant. Ouais, en fait, quoique on peut passer à travers donc c'est cool, ça fait un chemin. Oh, c'est vraiment bien foutu ce qu'ils ont fait. Ça rend bien, ouais. Oh, c'est cool. C'est vraiment cool. Ils ont vraiment pensé à tout.
Alors, je voudrais faire celui-là parce que j'ai jamais cuisiné. Et je voudrais me faire un truc. Je peux manger un plat par jour pour avoir un cœur bleu. Je peux pas manger un truc qui me perd. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est vrai que je pourrais faire des murets. Mais ça, je verrai peut-être à la fin. Genre, peut-être qu'à la fin, je ferai des petits murets, mais il faut que ça soit joli. Après, là, avec cela, ça peut faire muret en vrai. Si j'en mets un autre par-dessus, ça peut faire mur de fleurs. En bas, j'ai pas besoin parce que c'est la délimitation de la carte. Et après, je pourrais peut-être le caler contre là, tu vois, faire un muret comme ça, c'est fermé. Je vais voir ce que je... Ah, raconte-toi, c'est vrai que le DLC, il vaut le coup parce que les trucs qui sont présents dedans sont vraiment... Est-ce que je le fais plutôt en comme ça? Ou est-ce que je le fais en fermé? Oh, que fermé, c'est peu de chaud. Peut-être moins bizarre. Un truc comme ça. Ah non, je peux pas. Je suis obligé de faire en comme ça. On va le faire en comme ça du coup. Ça ferme, ça fait. Ouais, juste je vois qu'est-ce que je mets entre. C'est rien. Et les lampes végétales qui sont magnifiques. On va pas y toucher, je pense. On va laisser comme ça. Oh, pas mal. Par contre, je vais faire une petite pause. Pause. Et ça vieillit. Vraiment pas mourir. Et coriace, Elios! C'est super beau. Vraiment super beau. Ah, Apple va se confesser. Non mais c'est ça qui est pas logique parce que tu vois t'avais 60% de chance de crever, t'es pas mort Elios. Et des fois il y en a qui ont que 4% de chance de mourir et ça tombe dans les 4%. C'est vrai que du coup, pour que ça, raison, c'est peut-être au final aléatoire. C'est un peu bizarre le pourcentage. Ou alors ils se sont trompés dans la traduction des pourcentages, je sais pas. Et ben le petit coin maison. Et bon. Après, je sais pas si je laisse vide, tu vois, ou si je rajoute des fleurs, ou juste le sol plus grand, je sais pas. Bah quoi, ouais, par contre. Ah, il y a sûrement des choses dont tu te souviens pas. Quelle part va être aimée. Eh, mais je savais pas qu'on pouvait prendre des objets ici, il y avait 400 pièces. Bravo à moi. Il y avait des trucs. Je peux pas encore.
ok, ça met des trucs ici. Ah, tu peux gagner des sous comme ça aussi. Je savais pas, t'as vu? Pas mort. Fatigue. J'ai pas fait gaffe. Pas fait attention. Du coup, petite pause et après, on va découvrir le donjon. Quatrième donjon. Donc, théoriquement, il y aura l'apparence de chauve-souris dedans. Donc j'ai hâte de le découvrir. Par contre, ouais, ça a grouillé peut-être d'araignée. Je sais pas si tu l'as vu ce donjon, bref ça, mais c'est possible que ça soit un peu, voilà. Et pas trop. Du coup, j'arrive. Petite pause. À tout de suite, je vous mets une battle royale et chocobo.